Africain yo te découvri Amérique 200 ans avant Christophe Colomb. Histoire ça, c'est pas une histoire qu'on a besoin de raconter dans aucune école en Haïti. Qui te m'explique très rapide. Pays ça qui est le Mali qui trouve en Afrique de l'Ouest, c'était un grand empire qui était lié à travers tout le monde là. C'était un empire qui était très puissant. Yo fait connait que dans l'année 1310, te gen un jeune africain qui relé Abou Bakari qui t'a gouverné empire ça. Mais ça qui était vraiment intéressé monsieur, c'est qui ça qui a passé l'autre côté dans monde là. En bien, monsieur était tellement passionné, yo fait connait que monsieur prend environ 200 bateaux, li voye en expédition et li dit moun yo comme ça. Seule condition pour nous tourner, c'est si nous pas d'ajoindre rien encore pour nous manger ou bien nous pas d'ajoindre terre côté que nous braler. Histoire raconte que dans tout 200 bateaux ça que monsieur était voué en expédition, c'est un seul bateau qui était retourné. Et capitaine nan dit monsieur que t'es gon gros tempête qui te prend tout bateau sur la mer, c'est lui même seulement qui était arrivé sauvé. Monsieur par quoi capitaine nan, monsieur tellement passionné toujours, yon l'autre fois encore, monsieur prend 2000 bateaux qu'on a li voué en expédition. Dans 2000 bateaux ça, monsieur tout li te sou youn nan bateau yo, li ale tout en expédition. Malheureusement, li même tout avec tout 2000 bateau yo, pa jam tourner nan empire lan, yo pa konn ki sa ki passé avec toute flotte bateau sa yo. Mais d'après un paquet signe nèg yo joine, on dirait que monsieur te atterri en Amérique parce que yo raconte que 200 ans après, lorsque Christophe Colomb débarque en Amérique, li te ketan joine yon groupe de noirs kap dirige le royaume d'Équateur. Et même au Mexique, nous avons une série de peintures, une série de tableaux qui représentaient des hommes noirs. C'est d'après signe ça, il fait connaître que Abou Bakari, jeune africain ça, était débarqué en Amérique 200 ans avant Christophe Colomb. Malheureusement, dans le dernier jour ça, il n'y a pas de trop gros historiens célèbres qui voulaient parler de l'histoire ça. Mais quand même, il y a un grand écrivain qui est Ivan Van Sertima en Floride qui a parlé de l'histoire ça dans le livre. Il y a un autre grand écrivain tout au Sénégal qui est Pate Diagne qui parlait de histoire Abou Bakari. Si vous avez aimé cette vidéo, amis, ou qui ça vous fait déjà, c'est like page là, partagez vidéo et puis faites commentaire, n'a pas répondu tout commentaire net. Nous bon rendez-vous une autre fois pour une autre vidéo qui est plus intéressante. Yeah!